Coucou, je suis mal cadrée. Coucou. Comment ça va aujourd'hui? Moi j'ai froid. Aujourd'hui je voulais vous faire pour faire gagner la semaine prochaine. J'avais dans l'idée d'essayer un truc mixed média. Alors je suis nulle, je débute. J'ai juste regardé une vidéo qui m'a donné envie d'essayer. Et donc je voulais vous faire un mini canvas. Donc le même que celui-là. Donc celui-là. Et là j'ai juste mis la couche de gesso. Et donc je vais coller des éléments, remettre un coup de gesso et mettre des encres, puis voir ce que ça donne. Donc voilà, si ça me plaît, il sera gagné, si ça ne me plaît pas, poubelle. Je vous mets sur mes mains. Donc voilà, j'ai préparé tout ce qui était dans une petite boîte que je garde de côté, et puis que je ne sais pas quoi faire avec, et puis voilà. Je vais donc sortir ma colle Tiki Glue. Tiki Glue, Tiki Glue, t'es où? Tiki Glue. Donc voilà. Hop, mon pinceau à colle et c'est parti. Donc pour changer du tac, je vais utiliser le gesso blanc parce que j'ai pas encore les couleurs que je voudrais pour travailler sur le noir. Donc du coup on va rester sur le blanc pour essayer de faire un peu comme les cartes que je vous ai fait gagner la semaine dernière avec le tag. Enfin, cette semaine, c'est ce qui t'a gagné. Sur le moment où vous verrez cette vidéo, ce sera passé, mais là tout de suite, c'est en cours. Hop. On va mettre. Je voulais mettre du ruban là, mettons, je sais pas moi, par ici. Je vais mettre de la colle à peu près partout comme ça. Hop, du coup j'en ai pas mis là. Hop. Vous voyez peut-être. Oui, vous voyez. Je vais mettre mon petit cœur blanc par ici. Ben non, il ne veut pas. Par ici, vu qu'il y a de la colle, ça tombe bien. Voilà. Je vais remettre de la colle par ici parce que j'avais de la dentelle. Je crois qu'elle est elle était autocollante. C'est pas grave. Comme ça, je suis sûre que ça colle. Voilà. J'avais un autre cœur là que je vais placer par ici. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pars à l'aveugle. Mais j'avais envie. Donc, voilà. Tac. Et comme c'est la troisième vidéo de la journée, vous allez voir, je suis habillée pareil que ce matin. Que, donc pour vous hier, avant-hier, à moins que je mette celle-là d'abord vu que c'est pour la gagner, c'est pour gagner cette semaine, enfin la semaine prochaine, ou peut-être mieux que je prévoie. Que vous la voyez avant quand même de participer. Donc voilà, sauf si c'est raté et que vous ne voyez jamais la vidéo. Alors bien que même si c'est raté, je vous laisserai la vidéo. Allez. Comme ça, vous pourrez bien vous moquer, n'est-ce pas, Mimi? N'est-ce pas, Marie? Vous pourrez bien vous moquer de moi lors des lives. En me rappelant bien que j'ai raté ma créa, tout ça. Ça pourrait vous éclater, quoi. J'essaye de faire un zigouigoui, mais j'y arrive pas. Ça y est, j'ai réussi mon zigouigoui. Je voulais mettre. Non, il ne veut pas tenir là. Mais tu vas tenir, je te dis. Si je te dis que tu tiens, c'est que tu tiens. Ensuite, je voulais mettre des petits boutons. On va en mettre un ici. Un par là. Et un ici. Voilà. Bon. Lui, il faut que j'en mette de la colle, je crois. Donc, je vais mettre hop, un autre cœur ici. Un autre bouton ici. Ça me semble pas trop mal à voir après à la fin, c'est ça le problème. En montage, c'est pas trop mal. Si lui pouvait tenir, ce serait encore mieux. J'aurais peut-être dû mettre de la colle chaude, mais je sais pas si en mix média on peut utiliser la colle chaude. Alors et je n'ai pas, oh pardon, et je n'ai pas encore le gel médium,
Donc je fais ce que j'ai, n'est-ce pas? J'ai beaucoup de choses à acheter encore que je n'ai pas. Donc voilà, on va faire sécher la colle vite fait. Je vous mets en pause. Hop, voilà. Donc on va dire que la colle est sèche. On va prendre le gesso et on va remettre une couche sur tous les éléments. Donc j'en mets bien partout, sur les côtés. Je sais pas qu'il se décolle. Lui, il n'est pas collé. Il n'est pas collé. Il va se coller avec la peinture. Oh, faut vraiment que j'achète du gel médium. Hein. Il n'y a pas à faire. Hein. Il va vraiment falloir que j'investisse. Hein. Ça fera partie de ma commande du mois prochain, je crois. Parce que pour moi, c'est encore le mois dernier parce que je ne suis pas encore payée. Non, il pleut. Faut pas que je chante, il pleut déjà. En même temps, c'est normal, Nani elle a chanté hier soir dans son live du lundi. Donc voilà, chez moi il pleut. Sa faute. C'est de sa faute. Cette ficelle qui va pas se mettre au jeu là. Bon voilà, j'ai passé une couche de gesso. Je vais en repasser un petit coup juste sur ma ficelle parce qu'elle me paraît trop rouge. Et puis je vais essayer de la coller avec la peinture, avec le gesso, puisqu'elle veut pas tenir. Je me dis qu'en mettant un petit peu trop de peinture, peut-être. Mais elle ressort trop rouge de toute façon. Voilà. Voilà, je dis peut-être que j'ai soit après, donc c'est pas très grave. Donc je fais sécher et je reviens. Donc j'ai fait sécher le gesso. Là le problème c'est que j'ai essayé de mettre mon téléphone pour vous mettre sur le carton. Ça ne fonctionne pas et en fait je vais le laisser à plat. Donc vous allez voir ma tête à la place. Donc, je vais sortir mes encres et on va y aller. Voilà. Donc il y en a qui disent qu'il faut sécher entre deux, entre chaque couleur. Alors je vais sécher pour voir. Donc voilà une première couleur. Ça donne ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Oula, c'est trop petit. Bref, ça va pas.
Je vais pas y arriver. Bon, bref, c'est pas grave. Passons à l'autre. Vivement que j'ai d'autres couleurs, hein. Je vous le dis, moi. Donc, on y va. Chut, chut. Hop. On va ressécher. Et je reviens. Donc voilà, deuxième couleur de mise. Je sais pas si on voit bien. Je vais passer à la troisième couleur. Je vais mettre les quatre. Soyons fous. On va mettre les quatre. Soyons dingues, soyons dingues. Vous me connaissez maintenant, vous savez très bien que je suis complètement cinglée. Par contre, je crois que mon gesso, il est en train de se faire la malle. Bon, bref, séchage. Troisième couleur de poser. On passe à la quatrième et dernière couleur. C'est parti. C'est parti, mon kiki. Donc, c'est la rose. Hop. Je vais en mettre un tout petit peu de celle-là. Voilà. Séchage. Et le voilà. Après séchage. Donc je me disais, est-ce que vous croyez que si j'essaye de mettre un tout petit peu de peinture dorée, ben je faisais ça. Hop, je remonte là. Hop, je vous redescends. Donc voilà. Hop. Et je me disais donc que je mettrais bien un tout petit peu de cette peinture là, histoire de mettre un petit peu de brillant. Vous la voyez pas à cause de ça? Oui, vous la voyez. Mais oui. Donc on va rincer le pinceau du gesso. Je vais reprendre le même pour ma peinture dorée. Bon, est-ce que ça va être une réussite? Ça, c'est autre chose. Vous me direz si ce support là a gagné, ça vous dit, enfin si ça vous plaît plutôt. Comme ça au pire je referai avec différentes techniques ou différents styles un autre canvas comme ça, petit mini, parce qu'en fait pour faire gagner je veux que des petits formats qui rentrent en enveloppe, parce que sinon on ferait peur, ça ferait cher quand même, parce que je participe qu'on me fait peur. Je participe entre deux à des concours, aux échanges. Donc je peux pas me permettre d'avoir des frais de port colossaux. Juste pour vous faire gagner en fait les petits cadeaux toutes les semaines. Donc voilà. Mais je me disais que c'était un support plutôt sympa. Et donc ouais, pourquoi pas. Si ça vous dit, hein. Si ça vous dit pas, ça sert à rien que je me fracasse avec ça, mais c'est quelque chose qui me plaît bien. Voilà. Un petit peu de lumière. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Pour moi, j'aime bien. Je crois qu'il pleut beaucoup. Mais du coup, comme il pleut beaucoup, ah, les gars, des travaux. Ils sont en intempéries. Ils sont déjà partis. Bon alors, je vais faire sécher ça. Et je suis en train de me demander si je vais pas essayer de mettre un petit peu de rose métallique. Ah, je reviens. Voilà, une fois sec. Bah moi je dis, ça me plaît bien. Je sais pas vous, mais moi ça me plaît bien. Et du coup, je parlais donc de la rose métallique, mais apparemment je ne l'ai pas dans le coin. Et je me demande si ça ferait pas beaucoup. Ça ferait peut-être deux trous quand même. Peut-être. Hein. Non, je crois que je vais le laisser comme ça. Donc je vous reprends. Coucou. Du coup, dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, ça me plaît bien. Je vais le mettre de côté. Et puis, je verrai pour vous le faire gagner. Donc, mardi. Voilà, voilà les filles. Gros bisous, ciao.